aveuglément par l'IA. Il faut que l'humain travaille avec l'IA et l'humain, jusqu'à présent, doit garder la réflexion. Remplacer les humains par l'IA, on en a parlé. Est-ce que j'aimerais bien qu'on revienne en Belgique maintenant. Est-ce que vous pensez que la Belgique utilise suffisamment l'intelligence artificielle? Est-ce que les PME en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, commencent à jouer aussi avec de l'IA pour trouver des nouvelles valeurs ajoutées? Ou vous avez l'impression qu'on est un peu en retard par rapport à d'autres pays européens ou d'autres régions du monde? Je ne sais pas qui veut se lancer dans une réponse. Oui, Frédéric? Nous couvrons le Benelux et quelques autres pays en Europe, et je constate qu'effectivement, en Belgique, on est plus ou moins dans la moyenne en termes de consommateurs d'IA. Je parle bien pour l'IA en radiologie. Consommateur, utilisateur, dans Consommateurs, le cas, ouais. utilisateurs. En termes de producteurs, je pense qu'on est un peu au-dessus de la moyenne, si je compare ça à la France, où il y a pas mal de producteurs d'IA aussi, une fois de plus en imagerie médicale, mais on est au-delà de la moyenne, clairement. Vous êtes d'accord avec ce constat? Oui, absolument.